Chers collègues, mon sourire ne vous fera pas oublier là, ou plutôt les années noires que d'un point de vue agri, on a plutôt envie d'effacer. Mais que mon sourire soit au moins communicatif, hein, rien que pour nos familles, nos proches qui nous entourent et qui nous soutiennent. Que 2018 nous apporte, en plus de bonheur, joie et santé, le signe de du renouveau de la prospérité agricole que nos parents ont connu. Beaucoup qui ont parlé en notre nom ont malheureusement oublié le fondement de cette réussite. Du partage de la valeur, notre valeur, nous sommes passés au don, voire au vol, tout en supportant chaque année les hausses, les nouvelles hausses de la part de nos fournisseurs. Sans pour autant pardonner, pour avancer, mieux vaut ignorer cela et laisser tomber. À la CR, on a compris l'articulation du vol organisé. Certains de nos partenaires, souvent de statut mixte, privé et coopérative, ont investi notre argent dans divers outils industriels, mais pas que. Ces filiales privées versent chaque année des dividendes aux holdings de nos COP qui détiennent leur capital. Ces dividendes auraient dû nous revenir si chacun des coopérateurs que nous sommes s'était retrouvé actionnaire de ces filiales privées. Chacun d'entre nous aurait alors décidé à quel moment vendre ses actions et récupérer son dû. Le comble est que nous voyons encore ces rapaces nous conseiller pour la poursuite de notre activité, allant jusqu'à rentrer à notre capital. Vous imaginez un patron prendre des parts dans la maison de son salarié sous prétexte qu'il n'arrive plus à payer ou à payer ses dettes, à joindre ses deux bouts? Alors plutôt que laisser la finance accaparer notre capital social et ou foncier, demandons à recenser et à estimer ces biens communs pour récupérer ce qui aurait dû dès le départ nous revenir. La seule sanction pour les responsables pourrait être leur exclusion quant à la représentativité dans notre métier. Enfin, 2018 devrait être l'année de la mise en place des plans filières établis lors des états généraux de l'alimentation. Mais soyons nombreux à réclamer que la montée en gamme, pour ceux qui l'opteront, ne se fasse pas qu'au profit, une nouvelle fois, de nos fournisseurs, nos conseillers et nos industriels. Le préalable, c'est bien que le prix du standard soit déjà ramené à sa juste valeur. Ensuite, chacun est libre. Alors, chers collègues de la CR, chers sympathisants et tous ceux qui, sans le savoir, partagent nos idées, rassemblons dès 2018 toutes nos forces pour un avenir meilleur et propice. Nous n'avons pas du pétrole, nous avons mieux que du pétrole. Nous avons ce qui fait la vie. Nous méritons le respect et la reconnaissance qu'on nous a aussi volé. Alors, une très bonne et heureuse année à tous.